parti. Moi, j'ai passé au-dessus. Ça te dérange pas? Je comptais passer au-dessus. Ah bah tant pis, c'était moi le premier. Donc t'es obligé d'aller à pied. On va essayer de se le faire sans déclencher d'alarme. On va essayer, ouais. Ah bah c'est bon, tu l'as eu. Je suis trop rapide pour toi. C'est ça. Oup. Ah, il en reste un que j'ai pas ciblé par contre. Ah, 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 il est non, là, non, il est là. Y en a... Il est là, il est devant toi, il est devant toi. Shoot-le. Il est mort, je crois. Non, il y en a un autre, hein. C'est bon, je l'ai eu. Libéré, aucune alarme. Oh, yeah, bébé. Ouh, hey, ouh, hey, ouh. Diding, 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 diding. Otage libéré. Ouh, John Seed vous demande de le rejoindre. Ah bon? Rejoins-nous. Ah, rejoins-nous. Non, ils ont choisi de se battre aussi. Hein. Non, je dirais non. Encore une fois. Et encore. Et encore. Expiation. Salut à tous, c'est Narm de retour sur Far Cry 5 avec la magnifique... Trazia. J'allais dire Jess Black, mais c'est pas grave, non, ça marche c'est aussi. Moi. Non, c'est moi. Et on est sur le point donc de se faire enlever par John. Oui. Attends, qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est pas une mauvaise idée en fait. On devrait peut-être y penser. Encore merci, officier. Mais de rien. En prenant la garde de triage, on fait un pas de plus vers la victoire finale contre la secte. Mais écoute, John m'appelle justement. A priori, on devrait pouvoir finir dans pas longtemps. John. Tu voulais me voir, John. Je suis là, John. Je t'attends. Où tu vas, toi? Où tu vas? Merde, j'ai tué un civil. Je sais pas si c'est toi ou si c'est moi, en fait. Non, c'est moi. Je voulais pas. Attends, je t'emporte. Je vais t'emmener dans un endroit décent. Le pauvre. Le pauvre. Il était innocent, il était derrière. Il attendait juste qu'on vienne le sauver et... je l'ai abandonné. Voilà. Pure et innocente petite créature. Je le mets dans la... Oh, je le mets dans la prairie, dans une position... on ne peut plus... indécente. Effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mariage? Oula, il y a du sang. Oula, il y a du sang. Oh, bonjour. Toc, toc. Il y a quelqu'un? Il y a du monde? Aïe! Aïe! Mauvaise surprise. Je comprends même pas pourquoi on n'a pas regardé par les vitres. On aurait dû regarder par les vitres. C'est ça. Essayer de tirer s'il y avait des gens à l'intérieur. Bonjour. Non. Non, pourquoi t'es au-dessus de moi, là? Que fais-tu sur mon corps? Oh non, il est en train de graver un truc. Pas. On doit pouvoir lire colère, Pam. Colle. Si, colle, c'est bien. Ok, non, un ni péché. Colle, ni colère. Doit être visible pour être... Bah, si là j'ai écrit colle, de toute façon, vaut mieux si colle que colère. Nos péchés, nous nous cachons. Je vais finir en bon état, moi. Enfin, on va finir en bon état. Tu entre le tatouage, les cicatrices, les yeux complètement drogués. Va se répandre sur le sol à la vue de tous. C'est charmant. On ne sourit pas comme ça, c'est malsain. C'est malsain. On n'a pas l'habitude. Parfait. Tu m'as fait une petite licorne avec? Si Mahomet ne vient pas à la montagne, apporte la montagne à Mahomet. Commençons. Tu ressembles pas à une montagne. Tu ressembles pas à la montagne dans Game of Thrones. C'est ça. Non, pas du tout, non. Oh là, on a tous nos copains qui sont là. Oh oh. Oula. J'ai pensé que vous avez pas la bonne Bible. T'aider à expier. Mes chers fidèles. On veut l'autre Bible. Nous sommes réunis en ces lieux pour... T'as pas le choix, vas-y, dis-le. Sinon on va mourir. Aïe! Non! Allez, toi aussi tu as le droit. C'est pas sympa. C'est cadeau, il y en aura pour tout le monde. Voilà, voilà. On va réessayer. Mes chers fidèles, nous sommes réunis en ces lieux pour... Mes chers fidèles, nous sommes réunis en ces lieux pour... soutenir ceux qui souhaitent expier leurs péchés. Soutenir. Comment on va se sortir ceux de là? Ceux qui souhaitent expier leurs péchés. Veux-tu, Nick Rai, poser la main sur la parole de Joseph? Veux-tu, Nick Rai, va te faire foutre. Non. C'est direct.
J'obéirai jamais à ce psychopathe. Eh ben Nick, il est passé de « on doit partir » à « je me rebelle ». Je résiste. Tu ne penses qu'à ta petite mère. Non, regarde, il pense à toi, il a partagé sa semence. Ses germes, pardon. Regarde. Il partage. C'est de l'amour. Qu'est-ce que t'es en train de lui dire? Nick. Je crois qu'il a menacé sa femme, non? Ouais, sa femme et sa fille, ouais. Je dirais. Oui, je veux expier. Ah, non, il va t'arracher le tatouage. Aïe. Non, aïe. Non. Ah, c'est dégueulasse. Le pouvoir du oui. C'est le pouvoir de la connerie. Le pouvoir d'expier tout. Oh, il y a mis un petit bandage quand même. Le pouvoir d'être libéré. Je suis pas sûr, à part lui avoir fait mal. Bon, on est mal. Comment qu'on fait? Tu libères pas grand chose, hein. Quelqu'un a une idée? Mets-lui un coup de Bible. C'est ça, ouais, vas-y, prends ta Bible et mets-lui un gros coup dessus. Mets-lui un coup de Bible, moi je saute sur le mec qui te braque. Officier, veux-tu poser la main sur la parole de Joseph? Pour admettre tes péchés et pour y renoncer. Non. Pour admettre tes péchés et pour y renoncer. J'ai dit non. Ah, c'est la Bible. Oui. C'est la Bible. Il y a son flingue dedans. Ah oui, c'est vrai, c'est celui qu'il avait... utilisé quand il nous avait oui, sauvé une fois. Je dis oui. Vas-y, shoot. Vas-y. Allez. Oh, on l'a raté. Vite, défonce-les. On va les défoncer. Hop. Allez. Allez. Oh, attends. Trazia s'est mis juste devant moi, j'ai fait lui tirer dessus. Oh non, on a perdu. Pardon. Ah. Non, c'est moi, c'est ma faute. Non. Toi, t'es mort. Mais meurs. Vas-y. Je cours. Coucou. Boum dans ta tête. Ah non, pas boum dans sa tête. Non. J'ai plus 20. Ah non, bah tu l'as eu. Non, j'ai eu personne. Là. Ah, attends. Attends, il est où? Il y en a un qui court vers là-bas. Hop. Je crois que je l'ai eu. Non. Il est où? Toi, t'es mort. Il est où? Toi, t'es mort. C'est bon. Installez-vous dans la tourelle. Je vais dans la tourelle. Tu vas dans la tourelle? Ouais, je suis meilleur que tireur que toi. Oui, c'est mieux. Quand on a un mouvement. Ah, attends, c'est vrai, elle est dans la voiture. Oups là! Fonce. Vas-y. Go! J'ai envie de tuer des gens. Je crois qu'ils sont avec nous. Merde! Non, mais shoot pas les gens qui nous aiment. Moi, je vois du mec qui bouge, je me dis c'est contre nous. Attends, par contre, t'es pas avec nous. Attends, par contre. Il a appris à voler. Attends, ils sont pas avec nous, hein? Non. Non, j'ai pas la... Oh, avion! C'est bon, avion mort. Visez les pneus? Non, moi je vise le conducteur direct. Hein. Ah, c'est bon, tu l'as eu. Oh, oui, ça va beaucoup plus rapide. Non, de viser les conducteurs. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Il est où l'avion? L'avion! Allez, viens l'avion. Viens, n'aie pas peur. Mais oui, t'inquiète, je vise. C'est bon, il est mort. Ah, c'est bon, tu l'as eu direct. Mais oui. Et voilà, toi t'es mort. Comment ils volent les mecs quand je leur tire dessus? Ah, il y en a un avion. Et là, petit avion. Il m'aligne à mort, bah ouais, forcément. J'adore à chaque fois. J'avais déjà fait la réflexion, mais franchement, les mecs, les discours des mecs. Oh, il m'aligne à mort alors que je lui tirais dessus avant. Je ne comprends pas. Attends, je vais l'avoir. Non, c'est bon. C'est bon, ah oui. Oh, un silo. On l'avait pas pété, c'est vrai, ce silo. Ah voilà, tu vois, silo pété. Ouais, ça s'est fait. Allez. Ah, mais non, mais va vers l'avion si c'est l'avion de John. Mais quel est con. Tu fais quoi, là? Attends, elle s'éloigne trop de l'avion, là. Bon. Ici, il y a du monde, là. Mais non, on avait libéré, il peut pas y avoir du monde.
C'est bizarre, j'ai l'impression que oui. Bah, il est... ok, t'es pas mort, toi? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Attends, oula! Oula, il prend l'avion? Attends, détruis pas l'avion, on a besoin de l'avion. Ok. Il y en avait pas un, là? Non, c'est bon. Go, dans l'avion. Attends, hé, hey, mais laisse-moi rentrer. Voilà, c'est bon. C'est moi, je monte à l'arrière. Hein. Il doit nous retirer si on nous tire derrière. Ok. C'est parti. C'est parti. Go! Détruisez. Vous avez qu'à demander. Ok, bah viens alors. Je vais rester en visant l'arrière. Je le vois. J'ai rien fait. Je suis une... Mais non, j'ai pas fait de colère. Bah, pas du tout. C'est toi qui es en colère. Attention, ça va être à toi d'agir. Allez. Donc ça fait très bizarre. C'est la zone. Mais non, il est... Ah, il est autour de nous. On va le poursuivre. Allez, je l'ai presque. Allez. Ah. Il y a là. Laisse-toi mourir. C'est ça, laisse-toi mourir. Il a presque plus de vie. Et allez. C'est bon, je l'ai eu. C'est bon. Vas-y, perds le contrôle. Écrase-toi en silence. Prenez les clés. Faut que je saute d'avion en avion. C'est ça, en fait il faut le suivre jusqu'à ce qu'il s'écrase. Attends, on va le faire péter. Pète, vas-y, pète. Au revoir John. Bon Dieu, il flotte. John est en train de flotter. John est en train de flotter, tout va bien. John a traversé l'avion. Ah, attends. Ah, j'arrive pas à le tuer. Vas-y, on va sauter. Saute. Vite. Oh, ok. J'ai pas eu le temps d'ouvrir mon parachute. T'es mort? Ouais, je suis mort. Oh mince. Attends, mais t'es où? Non, pas surtout, il reste 15 secondes pour que je réapparaisse. Ah, ok. Il y a Jess qui est déjà en bas en train d'attendre John. Attends. Vas-y, Jess. Jess, elle est en train d'attaquer. Oh. Là, je l'ai eu. j'ai vu Jess lui tirer une flèche enflammée. Eh, mais moi aussi, je vais tirer dessus en même temps. Il a fait... J'ai attendu qu'il passe devant la petite mêle de foin. Ouch. Alors, ça fait quoi de dire non? Il est pas si loin avec ça. À moi la clé. Laisse-moi la clé. Et si Joseph a raison? Est-ce que tu t'es posé deux secondes pour réfléchir à ça? Une, deux. C'est bon, c'est fait. J'ai réfléchi. Tout le monde pense qu'il est dément. Mais c'est faux. Regarde autour de toi. Notre monde est foutu. Ça a pas l'air. Qu'est-ce que vous racontez, les mecs? Tu le sais pourtant. Regarde les infos. Regarde qui nous dirige. Chez vous, Trump, c'est vrai que... Là, tout de suite, on se faisait des gens. Parce que tu penses sauver des gens, mais il risque plus rien. Tout est dans le plan. Tu ne crois pas. Tu t'en fous. Je m'en fous de toi, surtout. Tu t'en fous. Tu vas te prendre ta balle. Vas-y, mets-lui une balle. Et pitié de ton âme. Sinon, ce serait déjà fait. Et pitié de ton âme. Mais Dieu, il aura pitié de mon âme, j'essaie de sauver les gens. Bah oui. Je sais pas les asservir comme vous. Bande de vilains. Prenez la clé du bunker. Donc il faut qu'on aille sur le bunker maintenant. Il y a un quad. Vas-y, on va prendre le quad. Let's go. C'est parti. Est-ce que... Bah, il s'est plus indiqué. Bah oui. Les autres sont toujours coincés dans son bunker. Ah si. Il faut les sauver. D'accord. Je vais former une équipe pour te rejoindre. Comme d'habitude. Tu dois y aller tout de suite. Eden's Gate va leur faire subir un enfer. Ils se sont pas foulés hein, pour les dernières missions à chaque fois. Non, c'est toujours un peu le même schéma. C'est nous. On est bon, c'est nous. C'est nous. Coucou. On arrive. Ah. Boum. J'ai pas eu le temps de sauter. Et pouf. Et. D'où ça traverse là? Voilà. J'aime les voir voler les mecs. Toi t'es mort. Toi aussi. Coucou les moches. Ah,
On arrive. Il est où, ah. Oups. Je me suis fait tirer dessus, moi. Où ça? Il y a un sniper, en fait, qui me tirait dessus. Attends. Je vais rentrer. Toi, t'es mort. C'est bon. C'est bon, tu l'as eu? Ouais. Facile. Il a résisté, je ne sais pas comment, à mon tir de lance-grenade. C'est ça. J'ai pas compris. Je me suis fait tirer dessus. Je fais, non. Va savoir pourquoi. Allez, c'est parti. Et cette fois, c'est Trazia qui passe en première. J'en ai marre de faire le lead. Allez, Trazia, passe devant et fais toquer. Je vais mourir. Allez. Non, elle je vais court. Mourir. Non, je elle cours pas. Parce que j'ai peur. Comment vous savez que j'arrive? C'est... Ils ont des GPS dans le cul, les mecs, ou quoi? Toi, t'es mort. Et toi, t'es mort. Non. Ah. Voilà. S'il est mort. Voilà. C'est mieux. Attends, quand ils bougent pas, les autre. Mecs. Oh, attention, il y a un gros. Allez, prends ta flèche, toi. Voilà, c'est pas... C'est bon, il a pris sa parfait. Flèche. Il a pris sa flèche, ouais. Et lui aussi, poup. Et poup. Non, j'ai raté. Ah. C'est bon, je l'ai eu. Non, c'est moi qui l'ai eu. Ah bon, c'est toi? C'est moi qui l'ai eu. C'est moi qui... Tout de suite, tout de suite. Attends. Toi, t'es mort. Ah bah voilà, tu vois, tu l'as eu tout de suite. Toi, t'es mort. Bah, ils mettent leur tête en dehors. J'y peux rien, moi. Je vois leur petite tête, ça me donne envie de tirer. Frère et soeur. Comment? Comment t'as pu ne pas mourir? Il est où? Il est où? Il est par là, juste il est par là. Là. Non il est... C'est bon, je l'ai eu. Ah, tu l'as eu? Ouais. Il y en a un autre, par contre. Non, je vais pas expier pépiché. Par contre, toi, t'as expié. Voilà. Oh, voilà. Derrière. Attention, il y a un gros. Là, t'es mort. Oh, 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 tu m'as... Y'a un autre gros? Non, non. C'était juste les mecs. Attends, lui, toi, t'es mort. Y'en a un qui est mais pas bien mort, voilà. Il est bien mort, maintenant. Mais non, je voulais l'achever à la main. Ouais, mais j'avais non. Pitié. C'est plus humain. Allez, go, 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 lead, lead. Arrête de me suivre, là. Lead un peu, Trazia. Mais moi, j'ai peur. Oui, bah... Faut se bouger un peu aussi, hein. T'as peur des bougies, c'est ça? C'est ça, j'ai peur des bougies. Oh c'est charmant. C'est sympa. Oh, bon appétit. Ah, on est arrivé. Donc en fait, j'ai tué tout le monde. Je pensais qu'il y avait encore du monde, mais non. Donc au retour, c'est toi qui valide pour sortir. Non. Si, si, parce qu'on va être encore en temps limité, je pense, pour pouvoir arriver à la sortie. Oh, 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 oh. Du calme. Calme. Aïe. Et poulette, je suis avec toi. Ça va aller, ça va aller. Non. Allô? Réveille-toi. Ne dis pas oui, dis non. Dis non. Allez, roule-moi une pelle. Ça va bien se passer. Merde. C'est toi. Ouais, t'en as fallu du temps, hein, dis donc. Mon Dieu. Je pensais pas que tu reviendras. Bah si, on n'allait pas te laisser là. Il s'est passé quelque chose. Qu'il a fait. Ces illuminés se sont oui. mis à s'agiter. Parce que j'ai tué John. Ils l'ont su par magie. J'ai bien cru que j'allais finir par crever là. Mais non. Au moins, ça a réveillé ton instinct de survie. Ça, c'est quelque chose de positif. Faut le noter. C'est un peu comme Chris Pratt. Tout ça, c'est de sa faute. À qui? Lui. Bah, ah, Joseph. Joseph. De psychopathe. Salut de psychopathe. Il descendait ici. C'est et sûr. Il restait là, sans bouger. Et il regardait. On implorait sa pitié et il faisait rien. Bah, ça lui faisait plaisir. Bah, non, il était en train d'apprécier le spectacle. C'est ça. Un bon sadique. Ça va aller maintenant, ma grande. J'ai éliminé et il ne reste plus que Joseph, t'inquiète pas. On s'en occupe après. On va lui péter le rognon. Ok. Il y avait d'autres gens coincés ici avec moi. Oui, je sais, je les ai achevés. Faut qu'on les sorte de là. Parce que je me suis dit qu'ils allaient pas bien, qu'ils étaient comme toi, toi. Putain de bon cœur. Ils étaient un peu perturbés. Aide-moi. On sait jamais, hein. Ou dégage de moi. Prends pas de risque. Ah bah voilà, tu vois. Ou dégage de mon chemin, toi. J'ai bien fait de les tuer. Ne prends pas de risque. Allez, on va pas, on atteigne la salle de contrôle. On va pas faire sortir les fous. Allez, 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 Trazia. Allez, 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 vas-y.
Sinon, tu prends une balle dans la fesse droite. Pourquoi tout de suite une balle dans la fesse droite? Ah, suivre l'officier. Elle est où l'officier? Elle est déjà là-haut? Mais oui. Ah bah elle a été super vite. Hein. Mais c'était STP, c'est pour ça. C'est ça. C'est son pouvoir magique. Mais désolé. Mais lui tire pas dessus, tu vas l'énerver. J'ai pas tiré dessus, j'ai tiré sur l'écran. J'ai cru voir un méchant. J'ai sursauté. Descends dans les salles pour libérer les prisonniers quand j'ouvrirai les portes. Ok. Ok. Donc on les tue pas. Hein. Allez Trazia. Non, on libère les prisonniers. Allez Trazia, montre-moi comment tu fais. Je te couvre. Ou pas. Elle a libéré l'autre officier. Il a libéré l'autre officier. Ah bon? Alors déjà Trazia a oublié de libérer une cage. Hein, très bien. Enfin, pardon, mais on se faisait. Il y a des gens qui pouvaient nous cibler en fait. Non. Non, non, il y a personne. Si, si, il y en a un là d'ailleurs. On pourrait les cacher. Bah vas-y, va l'achever. Qu'est-ce que t'attends? Attends, il est... Ah voilà. Bah c'est toi qui va, voilà. Bah je suis obligé de faire le travail à ta place, tu fais rien. C'est pas vrai, vous êtes libre. Vous êtes libre. Non. T'as pas envie de sortir? Ok. Non, elle hésite maintenant. Bon, ouais. On a ouvert la porte, maintenant ils se démerdent. Là. Ah, il y a des balles ici. Attends, trouver. Attends. Séquence de lancement. Séquence de lancement de quoi? Oula, ça, attends, faut qu'on saute en bas. Oh, oh. Ah! Non, je vais pas. C'est en dessous? Ouais. Mais je loue. Aïe, moi aussi. Aïe. Tu verras des consoles. Détruis-les. Merde, décinglés! Détruis-les? Bon, ça devrait être facile, ça. Trazia va y arriver. On va regarder Trazia. Attends. Allez, Trazia. Allez, Trazia. Allez. Bon, alors, je vais vers là. Non, pas par là. Bah, va vers les bois, regarde. Et voilà, j'ai fait le travail. Ouais, il faut que j'arrête de tirer, il faut que je la laisse mourir. Voilà, je vais la laisser mourir un peu. Ah, voilà. Non. Voilà, bah parfait. C'était attendu. Hop là, raté. J'ai servi de tirer à canon. Oh, un cadavre. Oh, c'est moi, aide-moi. Oh, c'est trop bête. Help. Allez, vas-y. Serre-moi d'appât. Vas-y, fonce dedans. Allez. Oup. Ça c'est bon, et après escalader le silo. Alors, oula, hop là. Oh oh oh. Ah punaise. Vous avez vu sur mon écran la magnifique habilité de Trazia de prendre les plateformes. On va attendre Trazia. Hein. Allez, on va la regarder. On va la regarder faire. Attends, bouge pas. On va passer sur son écran et on va la regarder monter. Je dois pouvoir encore tomber quelque part. Et attention, on prépare le saut final qui va être totalement raté et elle va retomber tout doucement. Attends, non, c'est en face. Un, ah oui. Non. Deux, attends. Trois. Allez, attends. Vas-y. Je peux pas passer sur les petites plateformes. C'est pas par là. Non. Mais si, regarde. Elle triche. Non. Ah, il faut détruire les conteneurs. Attends. Ah, d'accord. Aïe. Je ne suis pas un conteneur. J'ai pris aussi, hein, t'inquiète pas. Il en reste un peu, vas-y. Ah oui, c'est ça, non? Non, ça c'est pas un conteneur? Oui. Ah bah voilà, c'est bah bon. Voilà. Si, j'ai le dernier, j'ai failli me faire péter en même temps, tout va bien, c'est normal. Non, attends. Lol. J'ai tiré 3 balles dans le mec, il était pas mort. T'es sérieux, gars? T'es sérieux? Courez, courez. Tout flambe. Oh, bonjour. Oula, oui. Bonjour. Très bien. Là, t'es mort. Lui il est pas assez mort. Voilà. Vas-y, je te laisse le reste. J'ai tout éliminé là. Bah attends, je les vois pas les autres. Oh aïe 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 aïe. Bon, je vais le faire. Attends, parce que attends, là... attends, il y en a un là. Allez. Hop. C'est bon. C'est bon. Ouais. Bah t'auras juste ouvert l'une des trappes. C'est bien, sans tuer personne. C'est bien, non mais c'est pas mal, c'est pas mal. Tu t'améliores, je trouve. Attends, non, je veux pas passer dans le feu parce que sinon je vais encore brûler. T'es où toi? Ah, y'en a un, il est caché. Caché! C'est bon, il est mort. Il est plus caché. Où est-ce qu'on doit passer là? Bah, c'est ça, je sais pas. Survivre. Ah non, faut survivre jusqu'à l'extraction, ok. Ah, d'accord, ok. Ah, bah, en fait, ils sont en haut. Attends. Ah! J'allais prendre un bonus pour pouvoir. Allez, allez. Mieux les voir. Grappin, 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 grappin. Utilise-le. Je te couvre. Attends. Ah oui,
Vas-y, échappe-toi. Voilà. Il est où l'autre? Il est où l'autre? Non. Je suis en train de grimper. Ah, c'est bon. Je crois que ça y est. Ouais. J'étais en train de chercher au moment où il est arrivé l'hélicoptère. Après, tu sais, on a la bouffe pour avoir le bonus pour détecter tout le monde. Ah oui, pour avoir t'aider, parce que quand Thrasia ne voit pas les gens indiqués en rouge, bien surlignés et zoomés sur elle, et je au les corps vois à pas. Corps, elle les voit pas. C'est ça. Mais c'est comme dans la vraie vie. Je suis pas physionomiste, je vois pas les gens, tout va bien. Ça change pas. Ciao. Merci. Hey. Merci pour la bière. Je sais. On me le dit tout le temps. On a vraiment bien fait de te sauver. Parce que tu nous as sauvés. Parce que sinon, t'aurais pas bien fait de nous sauver. L'espoir. De nous sauver. Quoi qu'il arrive maintenant, on vous suit. Tu m'invites en haut. C'était du sacré, du sacré boulot, vraiment. Merci, merci. Moi, après c'était fait avec amour. C'est toi qui donnes les ordres. Si jamais t'as besoin de quelque chose, t'as qu'à me demander. Enfin, enfin quelqu'un qui reconnaît. C'est vraiment mes préférés dans cette région. Elle reconnaît ma valeur. Enfin. C'est pas comme l'autre qui dit c'est un ordre, tu fais ça. C'est ça. Après tout ce que j'ai fait. Ah, il pleure là aussi. Ah, mais parce qu'on les a tous. On a tous pété. C'est vrai, pardon. Non, ils sont tous morts, putain. Ma famille. Mes frères, ma sœur, ils m'ont tous été enlevés. Ouais, je les ai pétés. Dans le ah maintenant je suis un serpent. Ah c'est ça. Je sens une petite contrariété. Il a réussi à remonter tous les trucs. C'est ça. J'ai pensé qu'on prendrait le record. Ils ont voulu rendre le truc dramatique ou comique. C'est ça. J'étais aveugle. Eh oui, tu as cru que j'étais le messie, mais non. J'étais le serpent dans ton jardin. J'étais Judas. Mais maintenant, je t'ai fumé. Tu vois? Tu voles la voix de ma femme pour que je puisse avoir la tienne. Non. Non, non. Je te promets que nous l'accueillons bras ouverts. Non. Nous t'accueillons, toi. Mais c'est une obsession. Laisse-moi vivre. Nous t'attendrons. Là où tout a commencé. Dans l'église. On l'avait chopé avec les menottes. Oui, exact. En même temps, c'est lui qui nous a fait suer hein, quand on est venu le chercher dans l'église. Il avait qu'à se laisser faire. Je me rappelais pas que c'était aussi barricadé en fait la route pour aller jusqu'à chez lui. Oh, un peu coincé. Tout va bien. Bonjour. Il y a des gens. Ça doit être blindé chez lui, j'imagine. Attends, où est-ce qu'il nous emmène? Ouais, c'est ça. T'es sûr que tu veux y aller comme ça, là? Bah, je sais pas, lui, il nous emmène... Ah oui, bah, tu peux tirer, vas-y. Shoot. On y va à la barbare. Non? Non. Je pensais qu'on allait l'écraser. Dommage. Ça aurait pu être une belle fin. Quelle déception. Il y en a la drogue, encore. Il y avait beaucoup de quantité. L'agneau ouvrit. Bonjour. Le cinquième seau. Tu vas bien? Et tu t'es remis? J'ai reçu sous l'autel les âmes de ces martyrs. Tués à cause de la parole de Dieu. Ah, maintenant ils ont été tués à cause de la parole de Dieu. Très bien, très bien. Tu as fait des miens des martyrs. Donc je suis la parole de Dieu? Je non, suis Dieu? Et je tu suis as fait des tiens des martyrs. Chose aux tiens. Oh oh! Mais. What the fuck? Comment il a réussi à les récupérer? Dieu nous observe. Et il nous jugera en fonction des choix qui sont les nôtres. Et comment t'as fait? Je tous mes alliés? Nous vivions dans un monde au bord mais du précipice. Mais des adrogués, encore une fois. Où tous les c'est tout ce qu'il sait faire. Toutes les injustices. Non, mais ça n'a pas de logique en termes d'histoire. Non. Tous nos choix révèlent nos péchés. Et où nous ont-ils menés? Où t'ont-ils mené, toi? Il parle de choix comme Face? Tes amis ont été enlevés et torturés. Et c'est ta faute. J'aime pas ça. De nombreuses j'ai un mauvais souvenir de Far Cry 3, là, qui me revient. Faute. Le monde est en feu. Et c'est ta
Ça en valait le coup? Non, le monde n'est pas en feu. Non. Vraiment? Oui, parle. Quand te rendras-tu compte que tous les problèmes ne se résolvent pas avec une balle? Ça, je suis d'accord avec toi. Quand tu es arrivé ici, je t'ai proposé de faire demi-tour. C'est vrai. Je l'admets. Et tu as refusé. Mais j'ai pas utilisé de balle pour t'arrêter. J'ai utilisé des menottes. Dieu m'en est témoin, je te réitère mon offre. Une dernière fois. Dépose les armes. Emmène tes amis. Ah, je peux prendre toi. Mes amis quand même. Ah oui, d'accord. Laisse-moi mon troupeau. Ton troupeau. Et repars en paix. Ton troupeau. Ton troupeau, juste l'église? Oui, c'est ça. Vous êtes dingue. Vraiment. On n'aurait jamais dû venir ici, de toute façon. Tu sais ce que t'as à faire, petit. Mais non, je sais pas, justement. N'oublie pas. Dieu te regarde. Oh, bah, je m'en fous de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Résister, s'en aller. Ah, il nous laisse le choix, donc ça veut dire qu'il va y avoir une couille dans le pâté. Yeah, c'est ça. Je pense qu'il va forcément y avoir... Si je résiste, qu'est-ce qu'il peut faire à part ça? À part buter mes amis? Je sais pas quoi choisir. Je sais pas quoi choisir. Dis-moi. J'ai envie de résister, d'un côté. Mais ça voudrait dire faire ce qu'il a dit, et Faith nous a dit que si on faisait ce qu'il disait, ça allait retourner contre nous. Peut-être que la meilleure solution pour le battre, c'est peut-être de pas le confronter. Ah oui, et de revenir après plus discrètement éventuellement et le tuer. On va essayer de s'en aller. On va tenter. On va tenter le coup. Ça peut être une solution. Je pars en paix. Ne juge pas. Je n'utilise pas les armes. Soyons civilisés. Ne condamne pas, et tu ne seras point condamné. Tant que tu restes sur ta petite île de merde avec ta petite église de merde... Pardonne. C'est ça, on va construire de jolis parpaings autour, et tu seras enfermé. Très bien. Me drogue pas, par contre. Arrête de droguer les gens. Emmène c'est tes mal. Amis, mon enfant. Partez. Ah, il respecte sa parole, c'est bien. Mais, par contre... mais non mais... Non. Mais non mais mes amis c'est aussi... C'est tous tes amis, y compris ceux qui ont été drogués. On y va, Chérie. On y va, calmement. Monte dans le camion. Non, je reste ici. Arsène, monte dans le camion. Vous avez perdu la tête. Monte dans ce putain de camion. Là, puis y a trop de monde, hein, contre nous. Parfois, il faut aussi être capable de s'en aller. Est-ce que j'ai bien fait? Tous mes alliés. Allons-y. Ça me fait suer pour le prêtre notamment. Il était bien. Non. Je peux pas les laisser là. Non. Oh là là. Je pensais pas qu'ils parlaient d'eux quand ils disaient le troupeau. Ah oui, moi je pensais que c'était qu'on récupérait tout le monde, qu'ils les dédroguaient et qu'on les récupérait tous. Mais oui. Non, parce que là c'est pas du jeu là. J'aurais dû résister. Attends, je résiste. Je peux pas résister. Non, je veux faire demi-tour. Je veux le tuer. On peut pas revenir après pour... Peut-être qu'à la fin, on peut revenir en arrière, l'assassiner discrètement. Je sais pas, j'ai peut-être fait une connerie. Non. Oh. Ça me... Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a l'air trop calme. Qu'est-ce que tu fous? On peut pas laisser ces gens faire ça. On peut pas laisser, ouais. Et on va pas les laisser faire. On va jusqu'à Missoula. Là-bas, on chope la garde nationale et on va revenir prendre d'assaut ce putain de... Ouais, mais il les aura peut-être tués. Non, pas question. Je refuse de participer. Vous l'avez entendu. Tu vas faire exactement ce que je t'ordonne. Chris Pratt, il va craquer. Oh, oh! Non, pas cette musique! Non. Ou non. Pas cette musique. Non, non. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Oh, oh. Non, ça va pas. Non, non, ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout. Non, non, non. Oh non, ça se fait des comme ça? Non! Non, pas moyen, non! Oh non! Non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Non. Je résiste. Ah, cette fin pourrie.
C'est bien, on a du coup quand même la possibilité de refaire le choix, donc cette fois on va résister. C'est ça. Et on va te péter le chacun. Chaque injustice. Chaque injustice, oui, quoi. Et chaque choix révèle notre péché. Moi, c'est le péché de la colère. John se trompait. Péché n'est pas la colère. N'est pas la colère. On l'a toujours dit. Préfère voir le monde souffrir et brûler plutôt que de ravaler ton orgueil. C'est l'orgueil, mon péché. Quand non plus. Ouvrit le sixième. C'est celui de Trazia. Moi non. Pas vrai. Moi mon péché c'est la luxure. Le soleil noir et la lune rouge. Oh oh. Wow. Ok d'accord. Très bien. T'as des super pouvoirs, tu nous avais pas tout dit. Voilà. Oh là là. Attends. Non, j'aime pas ça là. Oh oh. Non, je suis dans la grâce. Oh, oh. J'aime pas être dans la grâce. Attends. On combat nos ennemis. Oh, on combat nos amis. Oh. Calmez-vous les mecs. Quand ils sont à terre, j'ai l'impression qu'on peut les relever toi par toi. On peut les relever. Ah oui. Ouais. Toi tu restes à terre. Toi tu restes à terre. Toi. Vas-y, libérer. Ah non, mais j'étais en train de voir ça charger. Non. Go, faut le ranimer. Ouais. Allez, j'ai papy. Et j'ai pas papy moustachu, comme ça je me frotte à lui. Il aime ça. On t'aime ça. Ouais. Ah, j'ai la gonzesse. C'est bon. T'as la fille. C'est bon, on a eu trois. Il est là. Allez, vas-y. On va le flinguer. Il est où? Viens. Oh. Là. Boum, t'es mort. C'était dingue. Il y a des gens encore. Je crois que c'est pas fini. Il est là. Je pense qu'il doit y en avoir. Oui, mais t'es méchant, donc je refuse, moi. Tes choses ne nous intéressent pas. Oh. Lui, voilà. Lui en priorité. Lui. Il y en a un là. Allez, je ranime. Voilà, c'est bon. Aïe, c'est parti. Attends, je tire sur... J'ai un loup. Joseph. Avec toi. Nous ne sommes plus qu'un. C'est bon. Je ramène. Attention. Mange, allez. C'est bon. J'ai le prêtre. T'as le prêtre. Attends, il y en a un autre. C'est bon, on les a eus. On les a. Boum, dans la tête. C'est bon, le prêtre est debout. Tu l'as eu là? Ouais, c'est bon. Okay, non, ouais. Il est où? C'est quoi ce mec? Les oh là là, de... oh là là. Wow, touché toi. Hop. Je crois que j'ai eu Jess. Allez, vite. Le petit jeune, hop, relevé. Next. C'est bon. Là, c'est nos alliés maintenant qu'on est en train de péter. C'est bon. Jess, c'est bon. Je suis là, mon amour. Ah. Oh, chérie. Tu m'avais manqué. Rejoins-moi. Rejoins-moi dans la destruction de l'autre super pouvoir, là. Ah, Grace. C'est bon. Et. Oh, non, pas lui. J'ai Burk. Oh. Et tu es le dernier. Chope le dernier. C'est bon. J'ai la dernière. Non, tu incarnes l'injustice. Et il est l'heure pour moi de te montrer ce qu'est la justice. Là, attends, il y a quelque chose. Tu l'as eu. D'abord, il est mort. Moi, je le voyais encore, tu sais, comme s'il n'était pas complètement mort. Regarde, il est en train de nous présenter son cul là. Sors la batte de baseball. Oh oui. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je l'admets. Je ne sais pas ce que je fais. C'est Trazia qui m'a dit de tirer, j'ai tiré. Ouvrez le septième sceau. Je suis innocent. Le silence se fit dans le ciel. Oula. Et les sept anges debout devant Dieu sur cette trompette. Les sept cavaliers de l'Apocalypse. Du tonnerre. Des éclairs. La foudre. Oula. Joseph, je vous arrête. Oh, je n'aime pas ce son. Non, moi non plus. Une voix forte venant du temple. Ça, c'est une alerte. Allez votre chemin. Une alerte à la bombe. Enfin, c'est alerte pour les bombardements. Les coupes de la colère de Dieu. Wow. Oula. Oula là. Oula là. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'il a fait péter? Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est fini. Qu'est-ce que t'as fait péter? Qu'est-ce qu'il a fait, cette espèce de petite... Ça, c'est une bombe nucléaire. On va tous mourir. Hein. What the fuck? Sérieusement? Alors, comment il pouvait avoir une bombe nucléaire? Mais, je vois bien que c'est un... Donc, c'est ce qu'il disait à la radio. À un moment donné, il disait qu'il y avait les silos qui avaient été... ils avaient plus de nouvelles. Et c'est ça, c'était lui. Il avait récupéré des bombes nucléaires. Monte, oui, vas-y, on monte. De toute façon, tout est en train de cramer. C'est ça. Comment tu veux qu'on survive? C'est Fallout. Allez, vas-y. On est parti dans le monde de Fallout. C'est la fin. Est-ce que j'ai fait une connerie? Oh putain. Wow. Oui, j'ai vu, oui. Toi t'es bien, toi, dans ton bunker. T'es en train d'attendre depuis tout à l'heure. On va mourir. T'as tout libéré. Oui, on va mourir, oui, on t'entend, oui. Oui, je suis d'accord, on va mourir. Je crois qu'on est déjà mort. C'est ça. Heureusement qu'on est dans un pays de survivalistes, hein. Il y a plein de bunkers. Oh, ah ouais, il en avait pas qu'une bombe. Oh, putain. Ah oui, les oiseaux, oui, bah oui, ça... Ok, on est mort, je sais pas d'où. Bon, là, ça a carrément fait planter Trazia, hein. Je sais pas pourquoi. Donc du coup, je vais faire la fin tout seul. Voilà. Enfin, si j'explose pas. Oh. On a plus qu'à attendre tranquillement que tu finisses le truc. Oh, les arbres qui explosent tout seul. C'est intéressant. Oh, ah, la voiture est morte. D'accord. Attends. Non, c'est notre voiture. Non, c'est bon. Celle qui est en face. C'est bon. Il y a du monde, non, c'est bon. Je passe. Est-ce que ça passe? Wow. Ok. Je pense que ça buguait parce que t'étais de là. C'est ça. Tout va bien. En fait, le jeu ne voulait pas qu'on le fasse à deux. Oh, attention. Ah, il en avait plus de deux. Oh putain, là ça commence à devenir chaud. À devenir très très chaud. Ça va tranquille derrière? Tout va bien? Ah oui, ils vont bien derrière. Joseph est très très calme. Tourne, oui, j'ai vu, oui. Oh. Ah, c'est la merde, oui, c'est la merde, je suis d'accord. Wow! On est arrivé, on est en vie. Oula. Ensemble à jamais. Oh. On va pas y arriver. Mais calme-toi, Chris Pratt, reste derrière. Oh! Yo. On est en vie? Qu'est-ce qui se passe? Putain. Ah, je crois que le shérif est mort. J'ai l'impression qu'on a perdu tout le monde. Oh, Joseph, il est plus là. Oula. Ça va bon. J'ai peur pour toi. Parce que maintenant, je t'ai laissé tout seul. Mais du coup, j'ai peur pour toi. Je suis tout seul avec l'autre pervers. Oh, oh. Il me traîne. Arrête de chantonner cette chanson de merde. Tu vas réussir à rentrer dans le bunker de Dutch, mais t'en as qui te laisse passer. What? C'est pas très sécurisé ton bunker, hein, Dutch? Non. Visiblement, c'est pas si sécurisé que ça. Eh, je suis menotté. Non. Ce n'est pas un exercice, tout a explosé. Ah bah Dutch, il est par terre. D'accord. Bon, voilà. Tu sais ce que ça signifie? Bah que t'as détruit le monde. Ça signifie que les politiciens se sont tués. Ah bah tout le monde, hein. Là, il n'y a plus personne à mon grand. Ça signifie que les entreprises ont été démantelées. Alors, je crois... Ça signifie que le monde a été purifié par le feu divin. Je ne repeuplerai pas la terre avec toi. Je ne me laisserai pas prendre dans l'anus. Mais par-dessus. Si, mais je crois qu'ils pensent réellement que vous pouvez avoir des enfants et repeupler la terre. Bon, il va falloir l'expliquer que ça marche ça pas comme ça. Que j'avais raison. Bah ça c'est sûr, t'avais raison. L'effondrement a eu lieu. Et vu que t'as provoqué l'effondrement, c'était forcément que t'avais raison. Le monde tel qu'il était
a disparu. Bien. Et on fait quoi maintenant ? J'ai tant attendu. J'ai attendu si longtemps que la prophétie que Dieu m'a murmurée à l'oreille s'accomplisse enfin. C'est pas accompli, c'est toi qui l'as accompli, tu l'as balancé. J'ai préparé ma famille pour cet instant. Non, je suis pas ta famille. Et toi, tu me l'as enlevé. Je crois qu'il t'a adopté. Non, il parle de l'autre famille, la précédente, celle que j'ai éliminée. Je devrais te tuer pour ce que tu as fait. Je t'en prie, vas-y, y a plus rien là pour vivre. Mais tu es tout ce qu'il me reste. Ah non, non, pitié. Tu es ma seule famille. Non, 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 non. C'est mignon, je le sens se frotter contre toi. Nous avancerons dans la vie. Ses mains, je sais pas où est-ce qu'elles sont, ses mains. Je sais. Pardon. Et tu es mon enfant. Non, je veux pas être ton enfant. Et ensemble, nous marcherons vers l'Éden. Dans quelques siècles. Il va falloir quelques siècles avant que ce soit purifié, au-dessus. À moins qu'il ait pas menti que Dieu voulait vraiment ça et qu'il est en train de purifier le truc, maintenant que ça a été nettoyé. Puis il va renvoyer des femmes sur Terre pour pouvoir repeupler. D'accord. On va attendre là en se regardant dans le blanc des yeux. C'est ça. Avec lui en position de You Touch My Tralala qui te regarde. Ok, c'est fini. Eh bien, c'était Far Cry 5, hein ? Eh oui. Très bon FPS. Que dire d'autre que... Ouais, c'était fun. On s'est bien amusé. L'histoire... Moyen. Ça casse pas des briques, hein. Le personnage du méchant reste à peu près intéressant, mais après, c'est vrai que la plupart de l'histoire n'a pas trop de sens. La plupart du temps, on se fait enlever. Ça, c'était le truc le plus chiant du jeu. C'est-à-dire se faire enlever n'importe quand, sans savoir si ça allait arriver ou pas. Enfin, si, on disait, vous allez être enlevé, mais on savait pas quand exactement. Des fois, on était dans des camps, et ça nous enlevait pas. Ça nous enlevait genre 3 heures après dans un autre truc, donc... C'est vrai que c'était un peu pénible, des fois même en pleine mission secondaire. Oui, ça c'était un peu. Donc ça c'est vrai que c'était relou, c'était le côté relou. Après, tout le reste, c'était fun. C'était cool, je pense qu'on va continuer, on a des tas de missions qu'on n'a pas finies, donc je vais continuer à faire des vidéos. En attendant, on vous dit à la prochaine fois, avec ce merveilleux monde, soit on se fait contrôler par la musique, soit on est dans un monde apocalyptique. En vous disant à la prochaine. Ciao. Ciao.